Et c'est avec Samy Haloun. Bonjour Samy. Bonjour Soraya. Ce matin, nous allons parler de l'Internet des objets, un concept technologique basé sur la connectivité qu'on retrouve au cœur de la modernisation de plusieurs secteurs et qui permet de mettre en place un système de gestion, de générer des données directement du terrain et bien plus encore. Alors, l'Internet des objets, l'IoT, vous avez probablement déjà croisé ce terme, ce concept technologique qui consiste à relier des objets du quotidien à Internet et pouvoir les utiliser et les exploiter à distance. Alors par Bluetooth, par Wi-Fi, par radiofréquence, les objets interconnectés servent tout d'abord à générer de la donnée essentielle pour la prise de décision. Le détecteur installé pourra transmettre en temps réel des paramètres directement du terrain sur l'écran de l'ordinateur ou du smartphone. Le concept devient intéressant au moment où la personne peut interagir à distance, soit pour rectifier ou agir sur une situation quelconque. Alors on va faire semblant pendant quelques secondes que vous et moi Soraya sommes des agriculteurs, des flachs, à des centaines de kilomètres de de nos plantations. Alors une notification arrive sur notre téléphone, changement de température, manque en irrigation, présence d'espèces invasives, ce qui va nous permettre de nous adapter, de réagir rapidement et d'éviter le pire comme des multiples euh, euh, pertes ou occasionnées quelque part. Donc de multiples possibilités deviennent possibles même à distance. Donc l'Internet des objets, un concept qui peut être utilisé dans de nombreux secteurs avec le même objectif, avoir le contrôle total sans être physiquement présent, pouvant donc être utilisé dans dans l'industrie, l'agriculture, la vidéosurveillance, à travers les détecteurs interconnectés. Un concept également utilisé pour la domotique, les maisons intelligentes sont construites sur la base de la connectivité, chaque ampoule, poignée de porte, serrure, robinet, est contrôlable à travers le smartphone, pour par exemple avoir un aperçu de l'énergie consommée en un laps de temps bien précis, une façon également de lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes. J'ai l'impression qu'on est en 2050 <rire> <rire> Merci beaucoup Samy, vous, on vous retrouve dès dimanche dans la matinale, 7h45 minutes.